I'm going in for murder. Oh, pay attention, Mr. Officer. Never gonna catch me, you're never gonna catch me. No, 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 no. You are gonna waste your time. You are gonna waste your time. Your time. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ça y est, on est tombé sur un délirant. Quoi que j'ai pas le droit de rentrer ici? Non, mais attends, tu veux un coup entre les deux yeux, puis après tu vas t'étonner, te demander pourquoi la lumière elle est éteinte? Pardon? Ah, j'ai accès, d'accord. Je vois que t'as compris. Merci. Oh, il y a du beau monde aujourd'hui. Tu en voûtes et je dors plus. Toutes les nuits, je te vois passer au plafond. Vous devez confondre, monsieur, ce n'est sûrement pas moi. Alors, c'est quoi? C'est Sandrine ou Martine, le prénom? Ah, Sandrine, d'accord. Ah, oh, bah, tu me sers une petite Jupiter. Comment ça, t'as pas le droit de me servir? Qui c'est qui a dit ça? Vous foutez de moi, hein? Mes fissons? Non mais tu te fous de ma gueule ou rien? Bah attends, tu veux que j'aille au village à la gendarmerie chercher des képis? Parce que j'ai su hein, qu'ils avaient bu de l'alcool ici. Mais ils ont pas l'âge. Ah, d'accord. Bon, et puis non, quoi? Non, je vais pas les taper, non, non, il n'y a pas de souci, hein, tu sais. De toute façon, ils sont très jeunes, hein, mes pchots, ils ont encore le lait qui coule derrière les oreilles, hein. Ils font pipi, toute l'équipe, aux culottes, toutes les nuits, surtout Ced, hein. Il fait même pas que pipi, hein, je me tairai, qui fait aussi dans sa culotte, ça me coûte assez cher en lessive. Mais ils viennent samedi. Oui, oui, ils viennent samedi manger à la maison, à la ferme. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, bah non, ils vont rien avoir. Non, non. Bon, bah écoute, moi je suis juste. Combien je te dois déjà? Ah, ok. Bon, bah écoute. Alors, Sandrine ou c'est Martine? Alors, c'est Sandrine, ok. Et puis, moi je repasse ce soir. Hein. Ok. Et puis, votre gueule. Ah, si c'est une heure, alors là, c'est autre chose. Bon, je vais pas le taper, mais ni les enfants, je tape jamais les enfants. Allez, à ce soir, hein, Sandrine, Sophie, bye bye. Oh, elle est toujours là, hein. Pas mal du tout. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les saisons valaisannes. Hein, comme vous avez pu voir au début, j'ai mis l'eau là, à la piscine, pour régler la chose. Hein. Comme ça, c'est réglé. Ah oui, papa valaisan, il règle les choses. Nous, on va les vendre. Hein, comme vous avez vu, les finances sont très très basses. Là, il y a un coup de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a comme prix? On va regarder ça tout de suite. Il y aura du soja à les vendre. Parce que le reste, j'ai pas. J'ai 21 000 de soja qui aurait ici. Donc, on va mettre. Hop. Voilà. On va mettre la marque. C'est tout là-bas. Nous, on va prendre le steer ici. On va comme ça. Ça ira plus gros. On va aller charger du soja et aller vendre pour se faire de l'argent. Comme ça, peut-être qu'en fin de vidéo, on ira acheter le semoir parce qu'il faut le semoir. Ah, il faut peut-être mettre la remorque, ça ira mieux. Donc voilà, premier petit faille. J'ai oublié de cocher la remorque. Voilà.
Normalement, c'est bon maintenant. On va accrocher ici. Si tout veut. Et normalement, j'ai pas besoin d'ouvrir la grille pour prendre. Voilà. On va prendre, j'ai dit, du soja. Démaler. Ah, ça remplit, ça remplit. Donc, on va voir où c'est qu'il faut aller. C'est tout là-haut, là-haut. Sur la montagne. En tout cas, je vous remercie pour les retours du live des plaines russes. En tout cas, il y avait du monde, il y avait du monde. Comme vous pouvez constater, hein, les saisons valaisannes, bah, ça fait du bruit aussi. Oh, j'ai touché la remorque. Il y a eu aussi des bons retours sur le premier épisode. On va aller par là-bas. Normalement, si je mets en vue extérieure, ça ira mieux. On va mettre les gyros. Hop, voilà. Et c'est tout là-bas. On voit là, j'espère que ça va rapporter pour qu'on puisse acheter le semoir. Parce que bah, il faut. C'est à moi ça. Ah non, il est pas à moi celui-là. Vous voyez que j'ai pas encore remis de la chaux sur tous les champs. Au petit épisode aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la vente, comme je l'avais dit en début de semaine. En tout cas, demain, normalement samedi, hein, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en confiné, comme moi. Samedi, normalement, il doit y avoir un live family. Il faut que je regarde encore un peu à programmer la chose, mais normalement, il doit y avoir ça. Je vais regarder la carte. C'est que le plus simple c'est de passer par là-bas. On va essayer de tourner correctement par là. Voilà. Alors, peut-être qu'on on vendra. Bon, on va pas passer par la forêt. On va passer par là. Et on va remonter tout l'autre côté. Tranquillou, les amis. Donc, oui, vous avez pu constater aussi que j'ai mis en DL. Sur mon site que vous avez dans la description, hein, le lien, j'ai mis en DL deux packs. Donc vous avez la map russe que je joue sur les plaines russes en français avec le lien, respectez ce lien. Et je vous ai mis, j'ai tout fait la mise à jour du site. Vous avez deux packs des modes russes que j'utilise. Voilà. Oh, j'ai fait des. Ah, oh, ça c'est fabuleux ça. Je me suis pas retourné, c'est le principal. Et on arrive pour la vente ici. On va voir combien ça va rapporter. Et après on regardera aussi combien coûte le semoir. Hop, on va passer par là. Voilà, ça s'ouvre. C'est ici. Alors c'est clair qu'avec le mode saison, bah, j'ai pas beaucoup de réserves. Donc il faudra économiser si je veux. Hop, voilà. On va voir combien ça va me rapporter tout ça. En tout cas, l'argent monte. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, quand même, hein. Presque 25 600 euros. C'est pas mal. C'est pas mal. On va retourner à la ferme. On va revendre encore pour qu'on ait un peu. Hein, parce que si on regarde ici, est-ce que j'ai fait déjà. Il n'y a pas de crédit encore, hein. Il n'y a pas de crédit, j'ai pas encore fait de crédit, donc il faut tenir le coup. On verra ça. On va retourner à la ferme. Et puis on va regarder les prix pour vendre autre chose. Alors je sais pas si j'ai pu tout prendre le tournesol. Si en reste, on viendra nous vendre. Mais c'est pas mal. Bon, cet argent va pas rester longtemps parce que vu qu'on doit acheter un semoir. Et puis oh, l'achat des semences aussi. Donc voilà, voilà. On va tourner là. En tout cas, j'espère que cette série, en tout cas le premier épisode, a fait fureur. Plus de 600, presque, ouais, presque 600 vues. Ouais. C'était pas mal. Les lives, en tout cas, voilà, vous avez dit, hein, on était en live sur les plaines russes hier. Et vous m'avez dit. Ce serait bien de faire des lives sur la série. C'est clair que c'est plus facile avec le, surtout sur la map russe
que s'il y a des longs trajets, il y a beaucoup de choses à faire. Donc automatiquement, c'est peut-être mieux en live. Voilà. Donc là, un épisode des saisons valaisannes. Vous avez vu que je vous ai fait un petit programme. Dimanche, il y aura un autre épisode des saisons valaisannes aussi. Vous êtes gâtés en ce moment. Ça, c'est dû au confinement aussi. Alors, on va en rentrer à la ferme là, puis on va juste regarder le prix. Alors, bien sûr, je ne vais pas prendre de cire pour semer, on prendra le Deutz. Voilà, c'est là-bas. On va se mettre déjà en place pour charger, si jamais. On va refaire une petite marche à l'arrière là. Pour rentrer comme il faut. Voilà. J'ai pris du steer parce que comme ça, au moins, on est rapide. Qu'est-ce qu'il dit le compteur? On a encore 3000. Alors, je vais pas refaire un voyage parce que ça vaut pas la peine de faire un voyage pour 3000. Par contre, ici, 1438. 1497. Il est en baisse. On va au Val de France. On va profiter d'aller vendre un peu de tournesol au Val de France. Hein, même qui baisse, mais c'est presque 1500 euros. Donc je l'ai mis le truc là. Oui, je l'ai mis. Voilà. On va faire comme ça. Non, on va pas faire comme ça parce que je me rappelle plus déjà ce que je vais prendre. On va prendre du tournesol, ok. Du tournesol, voilà. 24 000, je pense que ça va bien monter les finances. Je vais éviter le plus longtemps possible de faire le crédit. On met que 18 000 dans la remorque, donc il reste quand même pas mal. Après, hein, au bout d'un moment, peut-être qu'on n'aura peut-être pas le choix de faire le crédit. Je vais juste voir où c'est par là-bas, ok. On va passer par là. On va passer par le village, vers la piscine, que je retournerai peut-être un peu ce soir à la piscine. Hein. Je sais pas à quelle heure elle ferme, j'ai oublié de demander à Sandrine à quelle heure elle ferme. Voilà. Donc c'est là-bas. Vous voyez que je sais pas pourquoi il lève comme ça. Vous voyez que j'ai encore du boulot à mettre de la chaux sur certains terrains. Je vais le faire de mon côté. Comme ça. Ah ils sonnent déjà la messe hein, ici. Oh là. Je vais le faire de mon côté comme ça tous les champs. Vu qu'il faut passer comment j'allais dire le. Pas le culti, mais des chômeurs. Voilà. Lève-toi. Voilà, ça c'est bien. Et c'est ici. Et on va gagner de l'argent, les amis, encore une fois. Regardez-moi ça. Allez, on va voir combien il me donne cette fois-ci. Avec le tournesol qui est quand même presque à 1500 euros, les 1000 litres. Et là, je suis content parce que quand même, hein, 26 000, c'est pas mal. On va juste regarder combien il m'en reste. Ouais, 6 000. C'est pour ça qu'on va aller vendre du colza. Comme j'ai eu dit hein, dans le dernier épisode, le premier épisode, je vous ai dit que j'allais vendre pour monter un peu l'argent. Alors, 1180. Est-ce que je ne vendrais pas un peu de colza aussi? Ce serait intéressant de vendre du colza parce qu'après le reste, je vais garder pour prendre des poules, peut-être mettre le poulailler en route. 1180, 1200. Écoutez, on va aller chez Néal, comme ça on aura vraiment visité un peu tout, certains points de vente en tout cas. Je regarde juste là-bas. Allez, on est reparti. On va aller à la ferme. Je sais pas par où je suis parti, mais on va aller à la ferme. normalement, la ferme, on peut rejoindre par là. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Regardez, on va laisser ça. Hein. Il faut quand même encore que je me repère. Sur la map, on va passer le petit pont. Hop, je vais pas regarder s'il y avait des voitures qui arrivaient. Alors, une map très très fluide encore, hein, comme je le disais l'autre jour. Même Nico l'a dit.
Et je pense que cette série va vous plaire. Alors, j'ai pas encore fait, mais je vais faire. Ça, c'est de vous mettre peut-être un post avec un pourcentage. Vous allez voter de savoir si on continue aussi des épisodes de Ma Petite Valaisie. À vous de voter. Je mettrai ça peut-être en route. On est vendredi. Je mettrai peut-être ça en route, peut-être encore aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Il faut que je regarde. Il faut que je demande peut-être à Jérémy comment il fait son machin là. Oups, c'est coincé. Je vais m'acheter un Dolly parce que je préfère les Dolly. Hop, voilà. Donc j'ai dit que je prenais du colza et que nous on allait vendre. Ah, il faut remonter vers la map. C'est presque vers la production. Ouais. Ouais. 18 000, on est déjà plein. Donc on va ressortir. Mais, attention, l'arbre. On va ressortir là-bas, on va faire un petit peu de vue extérieure pour ceux qui aiment les vues extérieures. Voilà. C'est vrai que pour les trajets, je fais souvent des vues intérieures. Mais bon, je pense que les premiers animaux, ça sera le poulailler. Hein, parce que les œufs, ils peuvent rapporter. Puis je sais pas si sur la map, que je regarde dans le Global Company, la tablette, comme il dirait mon petit Nico. Combien ça rapporte et puis si en plus de ça on a besoin pour des fabriques. Voilà, peut-être que la boulangerie. Allez, on va passer par là-bas. On va peut-être fertiliser le champ d'herbe ici. Donc dernière vente et on achètera, on ira pas la chercher. On va l'acheter ensemble, hein, vous inquiétez pas. Dans cet épisode, le semoir. Comme ça, on pourra commencer à semer les premiers champs que, avec les températures qu'on a le droit. Hein. Ça, c'est clair. Et après, on se quittera là. Peut-être dans le prochain épisode, dimanche, il y aura un peu de semis. Et peut-être la venue des poulettes. Voilà. On voit le machin, ouais, il est là-bas. On va se mettre en vue intérieure pour conduire, des fois c'est mieux. Et ben voilà. Voilà, vous allez bien rire, j'ai tourné le tracteur. Je sais pas pourquoi, il se tourne comme ça dans un contour, mais pourquoi donc? Ah là 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 là. Hein? Quand on pense que, j'espère que j'ai pas renversé tout, toute la marchandise. Je vais juste faire ça. Voilà, hop. Voilà, il est retourné. Donc, je pense que j'aurai des commentaires qui seront super dans le, hein, dans la vidéo. Hein, quand je dis que des fois je rigole quand je regarde des vidéos du fiston Jérémy qui sait pas faire ci ou qui tape les murs, ben bon, moi je suis arrivé peut-être un peu vite dans le contour. Et avec le poids derrière, bah heureusement que il n'y a pas du réalisme et que ça se vide la remorque. Voilà. Regardez, on va se faire encore un peu d'argent ici avec ça. Avec le colza. Hop. Il a fallu ça. Hein. Il a fallu ça. Oh, du reste, ça en fera rire. Ça, c'est clair. Et puis même ma petite visite à la piscine. 21 000. Regardez. 80 000 euros, presque 600. Hein. Ce qu'on va faire, on va regarder dans le magasin. Ah oui, j'ai mis ce mode qui va être sympa pour les palettes. Regardez comme c'est magnifique. Si vous le voulez, je vous le mettrai sur mon site internet. Dites-le moi dans les commentaires. Et ça, c'est vraiment super parce qu'il a même encore lissé le camion. C'est pas mal. C'est pas mal comme camion pour, en plus, je crois qu'il est autoload. On l'utilisera, ça c'est sûr. Donc on a dit qu'il nous faudrait un semoir et puis peut-être qu'on arrive à acheter une planteuse aussi ensemble. Alors, est-ce que ça fait 600 litres, 3 mètres. Qu'est-ce que ça plante? Ça plante ça. Par contre, celui-là, il est pas mal. Hein. Et puis, ça ferait 25 000 euros.
Après, il y a celui-là, le Banana Joe. il est pas mal aussi, mais après, un peu large, peut-être sur la route. Et celui-là, le Lemken, il est pas mal aussi. Ouais, bah, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, j'ai envie d'acheter le Sulky, là, parce que là, 42 500, et il fait 14 000. On va juste aller voir au niveau planteuse. Planteuse, de toute façon, je pense prendre la Lemken ici. De toute façon, pour les champs, ça va très bien. 26 000. Et on pourrait acheter à la limite les deux aujourd'hui. Ça serait pas mal. Allez, regardez. Vraiment magnifique. On va l'acheter. 1500 litres. Hop, c'est acheté. Et on va acheter celui-là aussi. J'ai pas peur au niveau des chevaux parce que les tracteurs, j'en ai assez. On va aller sur la planteuse. Il reste 55 000. 55 000, est-ce qu'on... Ah oh non, ça c'est trop cher. Hein. 30 000, 38 000 et 26 000. Non, bah on va prendre de l'Emken ici. 110 chevaux. Par contre, ouais, je vais le laisser en bleu. Je vais le laisser en bleu. Voilà. Voilà les amis. Donc, on va allumer, on va rentrer à la ferme. On va se quitter là les amis. On se retrouve dimanche, ben, sûrement pour du semi. Et puis, ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Hein, ça, je sais que j'en aurai avec le retournement de tracteur là. Et on regardera. J'essaierai de vous mettre le camion classe là dans mon site, sur mon site, peut-être ce week-end. On verra. N'hésitez pas les pouces bleus, parce que ça fait toujours plaisir, les pouces bleus. Hein. Vous avez vu que je vous ai mis, je vous répète, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu puis qui ne regarderaient pas la vidéo jusqu'au bout, mis les deux packs russes que j'utilise sur les plaines de Russes, hein, la série qui vous plaît. Et on se retrouve dimanche. Bah, dimanche, on fera sûrement du semi et peut-être aller chercher les poules. Voilà. Alors, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon vendredi, hein, bon, il est bien entamé. Et on se retrouve samedi déjà pour le live avec la famille. Et dimanche pour la suite des saisons valaisannes. Allez, tout de bon et salut à toi.